Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de DocsFlow. Ensuite, on parlera de WordFlow dans une prochaine vidéo. Mais la première, je la consacre à DocsFlow, qui va nous permettre de gagner du temps dans notre flux de travail avec les textes et la mise en page. Alors, DocsFlow, c'est un plugin de Helm Software. Donc voilà, si on va sur la page produit. On va voir, donc c'est en anglais, hein, pour les personnes réfractaires à la langue de Shakespeare, n'oubliez pas Google Traduction. Vous pourrez ainsi traduire tout ce que vous voulez de la page. Petite précision sur DocsFlow, vous voyez que DocsFlow est disponible pour la CS5, 5.1. 5, CS6, CC, CC 2014, 2015, 2017 et 2018. Donc, ce qui est assez pratique pour ceux qui utilisent les anciennes versions. Donc, pour parler de ça, ben, rien de mieux que de passer à InDesign. Donc, dans InDesign, ce qu'on va faire, alors, je vais déjà commencer par réinitialiser l'écran et supprimer. Voilà. Je vais créer un nouveau document, voilà, que j'ai préparé. J'ai un nouveau document. Moi, ce que je voudrais intégrer, c'est... on m'a proposé un document Google Doc, mais je veux vraiment que ce soit interactif. Avec DocsFlow, je vais pouvoir le placer de Google Doc. C'est-à-dire que je me suis connecté avant. Voilà, j'ai ici mon email de contact. Et j'ai mon drive. J'ai mon drive avec tous les documents qu'il peut y avoir dedans. Et ce qui a été partagé avec moi. Donc, je vais avoir accès à tous les documents. L'avantage de bosser sur un drive, c'est que plein de personnes peuvent intervenir. Donc, le document, s'il est mis à jour, on n'aura pas besoin de refaire la mise en page. Donc là, c'est une petite vidéo de présentation, juste vous montrer comment DocsFlow peut être assez pratique. Moi, j'avais préparé un petit texte qui s'appelle démo, voilà. Hop. Et vous voyez qu'on peut montrer les options d'importation, remplacer l'élément sélectionné et lier au document. Alors là, je vais faire place, donc importer, et j'ai la petite roue qui s'anime. Et comme j'ai choisi les options d'importation, vous voyez, on peut choisir pas mal de choses, mais voilà, je vous dis, on y reviendra dans un prochaine vidéo qui expliquera vraiment de A à Z tous les petits éléments. Donc là, je vais rester comme ça et je vais faire OK. Maintenant, ce que je retrouve, c'est le même curseur choisi quand on importe un texte normalement. La petite chose, c'est que si je clique, bon, je peux avoir ça, je clique, j'ai ça, et j'ai pas d'autres pages. J'en profite pour vous montrer que si vous appuyez sur la majuscule, mais petite majuscule, hein, pas la majuscule qui verrouille l'ensemble. Vous voyez un petit sinusoïde qui se charge dans le curseur. Je le fais plusieurs fois, voilà. Et je clique. Là, et vous voyez, là, j'ai des parenthèses. Et là, ça veut dire que mon texte va suivre les marges. Et en plus de suivre les marges, va se dérouler jusqu'à la fin. C'est-à-dire que InDesign va me créer autant de pages que nécessaire pour arriver à la fin. Ce que j'ai maintenant, c'est que je vois... ici que j'ai un texte lié, si je viens dans les liens, on voit que mon texte est bien là et que j'ai pratiqué ça avec DocsFlow. Si je fais ça, voilà, on va dire que j'ai mis en page, hein, c'est une magnifique mise en page, mais je reviens ici sur mon document. Je vais prendre démo DocsFlow 2018. Et comme ça arrive très souvent, en fait, ce n'était pas une démo pour InDesign 2018, mais on va dire que c'était pour le 2017, version française. Ensuite, on va dire que c'était réalisé
par un, bah, comme par hasard, moi, hein, qui sont embêtés. Et voilà, c'est fait. Alors moi, ce qui me perturbe un peu dans Google Docs, c'est qu'on n'a pas de fichier enregistré. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant que j'ai fait les changements, hop, je reviens dans mon InDesign. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le petit panneau ici qui m'indique que bah, mon lien n'est plus à jour. Bah, forcément, puisque j'ai fait des changements. Je vais double-cliquer ici. Et Docsflow se met à jour. Hein, on voit bien qu'il a pris tout ce que j'ai. Alors ici, j'ai pas du tout fait de mise en page. Je n'ai pas stylisé rien. Mais c'est vraiment pour vous montrer ça. L'avantage de Docsflow, vous allez me dire, bah ouais, mais je peux importer ce que je veux. Oui, mais l'avantage, c'est que si jamais dans un sens, vous n'avez pas importé le texte, mais que le texte, c'est venu directement, vous avez fait la mise en page, et que les gens ont besoin d'avoir le texte, de le vérifier, plutôt que de passer par InDesign, d'envoyer des BAT, de dire maintenant faut changer ça, là vous allez pouvoir faire une chose qui est assez sympa. C'est là j'ai sélectionné mon texte, et je fais exporter vers Google Docs. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire, je vais le mettre dans mon Drive, je vais le nommer. On va dire un texte upload démo docsflow. Voilà. On va créer un lien avec le document exporté. Et je fais ça. Tadam. Et au miracle, tout fonctionne. Donc déjà, vous voyez dans le panneau lien, j'ai le lien avec ce texte-là, qui n'est plus le même que tout à l'heure, mais qui va venir... Alors si je reviens sur mon doc, Google Doc, j'ai un nouveau document, ici, qui est mon texte, qui vient d'InDesign. Donc là c'est pareil, bah en fait si j'ai envie de on va juste mettre ça. Ça je vais faire des choses comme ça. Carrément enlever tout ça. Puisqu'on est pour la démo. Voilà, en fait tout ça c'était pas bon. Voilà, c'est fait. Maintenant si je reviens sur mon InDesign, hop, ici mon petit triangle, alors je pourrais le faire ici. Ou si je vais ici, je fais mettre à jour. Ça tourne. Hop, et voilà. J'ai mon texte qui est mis à jour. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait sur le document, on va vraiment le retrouver ici. Et ici, voilà, je pourrais rajouter ce que je veux. Mettre des commentaires. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont faire des changements sur ce document est lié. Donc maintenant, quand je serai de retour sur InDesign, bah, j'aurai forcément la dernière version. Voilà, je ne vais pas avoir un document qui se promène quelque part ou des choses comme ça. Et il est bien lié. Pardon. Il est bien lié. Donc là, on va pouvoir aller plus loin, faire une jolie mise en page, beaucoup mieux que celle-ci. Mais voilà. Donc voilà, ça c'était Docsflow. Ensuite, je vous présenterai Wordflow, qui fonctionne dans le même principe, mais qui est très pratique aussi pour ceux qui travaillent avec Word, ceux qui sous-traitent et qui travaillent avec Google Docs et avec Word. Ce qu'on verra, on verra InCatalog et InData, qui sont également de M Software, mais qui sont des plugins assez intéressants. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous servira, et moi je vais aussi essayer de m'attacher à vous faire un user guide qui deviendra un guide utilisateur pour avoir un joli support de ces outils. Merci beaucoup, et puis rendez-vous fin de semaine pour Wordflow. Merci, au revoir.